Attention, on veut chercher Kaelan Agneau, on va utiliser ce flash. Kaelan qui a son repos d'agneau, il va l'utiliser maintenant, l'ATP de Sueco, mais justement Sueco, est-ce qu'il va ramasser de dégâts, ça va pas suffire. Le kick est récupéré, Qatar maintenant, dans un tournant, Qatar aussi, la Shockwave sur Kino, c'est ce Jiwao, mais c'est une Oriana à 14 minutes de jeu, ça va beaucoup de dégâts. On va se repositionner, Jiwao qui s'est commis, Jiwao qui l'a mis son flash, et finalement, Jiwao n'arrive pas, la cage qui touche pour Char. Et le kill va être récupéré, bonne opération des Melty, c'est du 3 pour 1. Donc contrairement à Maokai, voilà, qui a vraiment des contrôles quasi garantis. Justement, on en parlait de ce 5 en bot lane, ça y est, ils y sont, on va chercher Shark qui tombe instantanément. Il va faire des pop également. Et là, c'est la bonne opération d'N2K qui avance. Le Goï, Flashy, la Gold Card, de Kaelan, Jiwao qui vient se suicider peut-être sur la tour. Non, il est trop tanky. Le repos de l'agneau, on va essayer de finir Niski qui va tempo, Niski peut-être le kill de Jiwao. Ça manque de mana, ça manque de dégâts. Et oui, il a plus de mana du tout, il est obligé de jouer à l'auto-attaque et essayer d'utiliser sa pointe de l'immortel. Mais là, Kaelan qui kite bien, le Z un peu mal placé par contre. Il va récupérer grâce à son passif et il prend le deuxième kill sur Niski. Attention, on va pas trop s'avancer pour Wax. Wax il pourrait faire par contre la mauvaise opération là. Fatigue était positionné et le goïd de Jiwao sous la tour, mais il s'est un petit peu commis. Il est tout seul, il a fait du suivi par son équipe. Oh, la cage sur Mew, position, c'est la catastrophe avec Qatar qui va se faire plus Wax dans la mêlée. Wax le goïd, Jiwao qui va essayer de venir pour sauver son équipe. C'est la catastrophe, c'est trois joueurs des 2K qui vont tomber et les Melty vont pouvoir s'imposer dans cette game. Et le bon T9 qui met en place, attention au dive, on arrive à 4 sur les Melty et on va y aller. L'aggro qui est récupéré par Jiwao, le body slam sur Jiwao, flash à jeu Jiwao, on va repasser l'aggro. Attention, c'est Jin qui l'a récupéré, un coup, deux coups, on pourra pas en prendre un de plus. Le passage aggro extrêmement bien fait chez les 2K et c'est un double kill récupéré et une gigantesque vague de femmes qui est denied. Énorme opération d'N2K. Mais attention, Tio qui est dans le bush, est-ce que Tio va pouvoir bag? Tio n'est pas prêt, personne ne jette. Oh, il reste. Et il y a one shot. Double 0-7, Tio. Cette game est complètement sur Nero. Et c'est Wax qui va venir récupérer le kill sur Nero. Contre parce qu'ils ont pensé que Nero était back, mais Nero finalement va essayer d'appliquer sa marque sur la bot lane. Wax pourrait tomber là-dessus. On va essayer de rectifier le tir, mais c'est bien joué là, le heal qui utilise au bon moment. Et maintenant on va essayer d'aller chercher Nero. Nero qui est sous exhaust, Nero qui pourrait tomber. Et ce serait un kill de récupérer pour Wax. 2-0 les Melty qui avancent dans cette game. Et le problème c'est que là les Melty à 3. L'engage qui est fait de la part de Sharp, le teammate, le enchasse qui est placé, Tio qui arrive par derrière, la drift, on va mettre l'automode place. Peut-être ce n'est pas placé, on temporise avec le Zonia. Bien joué. Oh les kills sont monstrueux, tir de ce qu'il va trouver, qui va toucher uniquement Wax. Seul personne. Qatar derrière, tout seul. Attention, Tio qui pourrait tomber, Nero qui va le flash, mais Tio qui va flash également, Nero qui devrait tomber, qui ne tiennent pas la route. C'est Melty qui remporte la deuxième. Le deuxième épisode de ces Underdogs. GG, GG, c'est Melty qui font une très 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 belle troisième game là-dessus.